La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger vient d'inaugurer un centre d'accueil pour accompagner l'opération Marhaba 2021. Ce centre met à la disposition des Marocains résidant à l'étranger des cadres spécialisés dans divers domaines, notamment juridiques et économiques. Il ouvre ses portes durant une période de 3 mois, du 25 juin au 15 septembre de l'année en cours. Notre rencontre cette année s'inscrit dans un registre pratiquement spécial, exceptionnel, avec les Marocains résidents à l'étranger. La situation que nous avions vécue l'année dernière, de l'éloignement à cause du Covid-19, a fait que, effectivement, énormément de besoins se manifestent au niveau des Marocains résidents à l'étranger. Et parmi les besoins, c'est d'abord leur rencontre avec le Maroc, avec leur famille, mais aussi avec l'administration marocaine. Deux cadres spécialisés représentant la Direction générale des impôts et celle de l'Agence nationale de la conservation foncière sont aussi présents au sein de la Fondation pour apporter assistance et conseils. Nous avons aussi un service à distance, deux numéros de téléphone qui sont mis à leur disposition. Toutes les informations nécessaires seront mises en ligne sur notre site internet qui est fh2mre.ma. Enfin, la Direction générale des douanes dispose d'un site en ligne avec la Fondation Hassan II pour répondre aux requêtes en lien avec leur domaine d'intervention. Le site fournit entre autres des informations en continu sur l'actualité de la compagnie Royal Air Maroc et de la direction de la marine marchande.